Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM. C'était dans l'actu. 06 08 900 920, le WhatsApp est à votre disposition si vous voulez venir en aide à Caro, à Lucas et à Julie aussi qui est avec nous ce matin. On va parler un petit peu d'actu, c'était dans toute la presse, hein. Tout le monde en a parlé, donc on va voir si vous savez de quoi il s'agit, parce que c'est une première dans l'histoire. C'est histoire de bien nous humilier si on n'a pas la réponse. Non, vous allez trouver, c'est une première dans l'histoire récente de l'équipe de France de foot qui a joué hier soir face au Luxembourg à Metz, victoire 3-0. Ça, je le dis en passant, mais je crois bien que Julie a trouvé. Alors que j'avais même pas fini de poser la question, je l'ai vu acquiescer comme ça. Elle m'a dit donc, mais tu me prends pour un con ou quoi ? C'est sur le mot première. Vas-y, allez-y, Julie. Ils ont pris le train ? Eh ouais, le déplacement s'est fait en train et pas en avion. Ouais. Bravo, Julie. Une leçon. Viens tous les matins quand même. Bravo. Là, les gens qui nous écoutent ce matin, qui se réveillent à peine, c'est une leçon. Là, ils vont dire, mais Julie, mais tapis rouge. Excusez-moi, mais ça avait commencé là ? Oui, ça avait commencé. Non, parce que j'avais pas encore fini la question et Julie, je voyais déjà dans le visage de Julie, je vais te gifler. Une certitude, tu sais quoi, alors, Albert, finis même pas ta phrase. Je vous la fais courte. Normalement, les déplacements de l'équipe de France se font aller-retour en avion, mais empreinte carbone et tout, c'est un petit peu, ça avait fait polémique et tout. Et là, ils ont trouvé un bon compromis sur les déplacements relativement courts, comme ça, pour faire un Paris-Metz. Ils font l'aller en train et ils ont fait le retour en avion pour récupérer un petit peu plus vite. Lucas veut intervenir, je pense qu'il va dire des bêtises. Une première pour l'équipe de France, à cette question sur WhatsApp, quelqu'un répond, ils ont gagné. Ça, c'est nul. Bravo, Julie. Le meilleur des réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide de 6h à 9h30 sur RFM.